Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia, c'est votre servante Moyé. Amen. Je vous ai plusieurs fois dit que nous prions pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Alléluia. Et notre devoir en tant que parents, notre devoir est de prier pour notre pays. Voilà, sans plus tarder, j'espère que tous vont bien. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous allons prendre Malachie 3. Nous allons lire le verset 10. Amen. Voilà, si tu as trouvé, tu vas lire avec moi. Voilà, c'est la parole de Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Il faut dire que nous avons besoin de bénédiction. Et à chaque fois que nous mettons à prier, nous demandons des grâces, des bénédictions sur nos vies. Donc chacun de nous sait qu'en priant, il reçoit beaucoup de gains, il reçoit beaucoup de bénéfices dans la prière. Alléluia. Je ne vais pas me mettre dans des débats inutiles. Je sais que la Bible nous dit de payer nos dîmes. Et c'est ce que je sais. Alléluia. Et mettons Dieu à l'épreuve. Et c'est ce que lui-même il a dit. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Quand on parle de dîmes, il ne faut pas te fâcher. Voilà. Tu peux payer. C'est une libéralité. Tu peux payer comme ne rien donner. Alléluia. Voilà. Ce que Jésus fait, c'est qu'il bénit tout le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que tu payes ou tu ne payes pas, la parole de Dieu avance. Alléluia. Voilà, la nuit dernière, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur se révèle à nous. Voilà, et le Seigneur parle. Voilà, la nuit dernière, le Seigneur va me parler beaucoup de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le Seigneur m'a ravi en esprit. Je me suis retrouvé au marché d'Agamé. Vous voyez le grand marché d'Agamé. Je me suis retrouvé au marché d'Agamé. Mais je me suis retrouvé là et c'est comme si j'étais en train d'acheter quelque chose au marché. J'étais arrêté devant une femme et j'ai sorti de l'argent pour acheter quelque chose au marché. Et à ma grande surprise, je vois que l'argent se volatilisait. Je vois des billets de banque, tout cela qui convergeait quelque part. Et puis, la voix va venir du ciel. Le Seigneur va me parler. Il va me dire, tu vois l'argent que tu vois s'envoler là, tu vas suivre ça. Je ne comprenais rien, mais je suivais ce que le Seigneur me disait. Et je vous dis que j'ai commencé à suivre l'argent parce que je voyais l'argent qui avait rempli le ciel ivoirien, ça convergeait quelque part. Et je suivais l'argent où l'argent partait. Et nous sommes partis d'Agamé, nous sommes partis jusqu'à Cocody, à la Riviera 2, au carrefour de la Riviera 2. J'ai vu quatre barriques. J'ai vu quatre messieurs qui étaient derrière. Bon, je ne sais pas si ce sont des hommes ou des femmes, parce qu'ils ont couvert leur tête. Et ils étaient derrière ces barriques-là. Mais la particularité est que j'ai vu un qui était en noir et qui a couvert la barrique avec un tissu noir. L'autre était en jaune, pareillement, en rouge, il a fait de même, et en blanc, il a fait aussi de même. Donc on les voit pas, je ne les voyais pas de visage. Mais j'étais arrêté de l'autre côté où il y a la cité universitaire. Et je voyais, parce qu'eux, ils étaient de l'autre côté de la route. Et je voyais que l'argent qui convergeait dans toute la Côte d'Ivoire venait dans ces barriques-là.
Et puis le Seigneur me dit, tu sais, la barrique ne va pas se remplir. Je disais, mais la barrique n'est pas remplie. Il dit, mais la barrique ne se remplira pas. Parce que dès que l'argent arrive dans ces barriques-là, ça se fond immédiatement. Je vous dis, ça se fond immédiatement. Et l'argent venait de partout. L'argent sortait de la main des gens, de la poche des gens, dans les banques, tout et tout. Et ça partait remplir, ça partait rentrer dans ces barriques-là. Ils faisaient des gestes. Ces personnes-là, ces quatre personnes, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ce sont des hommes ou des femmes, ils faisaient les mains, ils faisaient des gestes, des mêmes gestes. Ils avaient les mêmes gestes. Et au fur et à mesure, ils faisaient ces gestes-là. L'argent venait de partout. Des poches des gens, des sacs des gens, des banques, ça sortait partout et ça rentrait dedans. Et le Seigneur m'a élevé, il dit, regarde, et je vois dans ces barriques-là, il y a comme de l'huile. Il y a comme de l'huile dans ces barriques. Et ça, l'argent rentrait, les billets de banque rentraient dans ces barriques-là. Et quand ils ont fini, ils vont couvrir ça et je vois une bâchée noire. La bâchée noire est venue et ils ont soulevé ces barriques-là et ils ont déposé dans cette bâchée, dans cette voiture Peugeot bâchée. Et puis, ils sont partis. Et le Seigneur me dit, voici ce qui va arriver. Je voyais maintenant le panier de la ménagère vide. Je voyais dans toute la Côte d'Ivoire, le Seigneur me montre, il dit, voici, le panier de la ménagère est vide. Et le Seigneur va me dire, l'argent va manquer en Côte d'Ivoire. Il aura beaucoup, beaucoup de pleurs en Côte d'Ivoire. L'argent, vous serez privé de beaucoup de choses. L'argent va manquer en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont souffrir. Ils seront dans la misère, dans la disette. La souffrance, parce que quand tu n'as pas d'argent, ce sont des pleurs, des palabres dans les foyers des enfants. Il aura beaucoup de douleurs, beaucoup de gémissements. Je voyais des femmes qui se plaignaient de ce qu'elles n'ont rien à la maison. Le panier de la ménagère est vide. Donc, mon frère et ma sœur, nous sommes chrétiens. Si j'ai lu ce passage, c'est parce que je veux que ça te fasse aussi du bien. Alléluia. Nous sommes à l'église. Payons nos dîmes afin que Dieu préserve nos avoirs. Il faut payer sa dîme pour que le Seigneur protège toi, ton argent. Que le Seigneur protège ta famille. Le Seigneur a dit de payer sa dîme. Il faut payer pour que le Seigneur puisse protéger ton argent. Ce verset-là me fait du bien à chaque fois que je lis. Je sais que ça te fait du bien aussi. Il faut payer ta dîme. Tu seras privé d'argent. Il y a un embargo de pauvreté qui arrive sur la Côte d'Ivoire. Tu seras privé d'argent. Vous voyez ce qui s'est passé. Les gens dans le spirituel, les gens sont en train de ramasser tout l'argent de Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs. Il faut prier sur ton argent. Ce sont des esprits maléfiques. Des voleurs spirituels. Alléluia. Frères et sœurs. Prions Jésus. Il y a un embargo de pauvreté sur la Côte d'Ivoire. Il y a la famine qui va venir sur la Côte d'Ivoire. Mon frère qui m'écoute. Ma sœur qui m'écoute. Paye ta dîme. Tu ne payes pas la dîme pour le serviteur de Dieu. Mais la dîme, c'est au Seigneur Jésus-Christ. La dîme appartient au Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 10% que nous donnons à l'église tous les mois, à chaque fois que nous sommes payés. À chaque fois que nous avons une entrée d'argent, il faut enlever la dîme. Mon frère, ma sœur, je suis en train de te dire ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a dit, il faut payer ta dîme.
Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Fais quelque chose. À la fin de ce mois, il faut payer ta dîme. Il y a un embargo sur la Côte d'Ivoire. Un embargo de pauvreté sur la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, protège ton argent. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te bénisse. Prie sur ton argent. Prie sur ton argent. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as prié, c'est pour toi, c'est pour ta famille. Si tu as payé ta dîme, c'est pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas pour moi. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Merci Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom, nous te glorifions pour tout ce que tu fais pour nous. Pour le souffle de vie que tu nous donnes. Pour les moyens que tu nous donnes. Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es notre Père. Tu es notre Seigneur, tu pourvois nos besoins. Je te dis merci Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, c'est votre servante moyen. Il faut t'abonner. Il faut aussi apprécier. Alléluia. Voilà, le petit doigt qui est en haut, il faut appuyer ça. Alléluia. Et il faut t'abonner. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour d'autres révélations encore. Alléluia. Il faut que tu sois orienté, il faut que tu sois dirigé, il faut que le Seigneur te parle. Donc, prie le Seigneur, attache-toi au Seigneur et tu auras la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Au revoir, à la semaine prochaine.